على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو اليوم السادس من شهر شعبان عام 1434 ندخل بإذن الله تعالى في الدرس الثامن في كتاب الإمام الترمذي رحمه الله شمائل النبي صلى الله عليه وسلم Aujourd'hui, Inch'Allah, ou aujourd'hui, nous sommes le 15 juin 2013 et on entre dans le 8e cours. C'est bien ça? C'est le 8e cours aujourd'hui. Taïb. De ce même livre, les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au fil usbu' al-madi, akhadna al-kalam an libas al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La semaine passée, on a parlé de l'habillement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَرَأَيْنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُنَوِّعُ فِي لِبَاسِهِ On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam diversifiait les vêtements qu'il portait. لِأَنَّ الْأَمْرَ وَاسِعُ Car l'ordre concernant l'habillement est vaste dans la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que comme on a vu, le musulman a le droit de porter ce que bon lui semble tant qu'il n'y a pas un verset ou un hadith qui interdit ce vêtement. Et on a vu une série de vêtements qu'Allah Azza wa Jal a interdit, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, Amidou. Quoi comme vêtement qu'on n'a pas le droit de porter? Naam. Le vêtement qui est fait de soie, al-harir, la yajuz et al-rajul ni al-basa, l'homme n'a pas le droit de le porter. Le vêtement qui est rouge, al-ahmar al-khalis, qui est rouge pur, c'est-à-dire qui n'est pas mêlé à une autre couleur, et d'autres choses encore. Ensuite, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يلبس القميص ويلبس الإزار ويلبس البردين ويلبس الحلة أنواع من اللباس مختلفة ليبين لنا أن الأمر واسع ما دام أن هذا الثوب لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le qamis, il a même encouragé les gens de sa communauté à le porter. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait al-hulla, ce qui est un vêtement composé de deux pièces, une pièce qui se met en bas et une autre qui se met en haut du corps. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait d'autres vêtements encore. Aujourd'hui, inshallah, al-yawm, نأخذ باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تبع للباس النبي عليه الصلاة والسلام Le chapitre d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le chapitre concernant ce qu'on appelle en arabe Al-Khuf, que le prophète صلى الله عليه وسلم portait. Donc, on voit que ce chapitre suit ou est une suite du chapitre sur les habillements ou sur l'habillement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ma huwa al-khuf? Qu'est-ce que veut dire al-khuf? Al-khuf huwa ma yalbasuhu ar-rajul fi qadamihi wa huwa masnu'un min jild wa yughatti al-qadam kamila. Al-khuf, c'est une bottine ou bien c'est comme une chaussette en cuir noir que la personne porte sur le pied, et cette bottine recouvre l'ensemble du pied. Elle recouvre le pied en partant de la des chevilles jusqu'au bout des doigts de pied. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait al-khuf. Kana alayhi salatu wa sallam yalbasu al-khuf sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce chapitre, on va avoir des informations concernant le khuf que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fi hadha al-bab sanara kayfa kana khuf rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.
Donc on a compris pourquoi ce chapitre dans ce livre. الحديث الأول في هذا الباب premier حديث de ce chapitre عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام. Donc, on va prendre des informations concernant le khuf que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Buraïda, qui nous dit « An-Najashi, celui qui répond au nom de Najashi, a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam une paire de chaussures montantes noires simples. » An-Najashi, man huwa, hadha l'ism, هو اسم لملوك الحبشة كل ملك في الحبشة يقال له النجاشي والنجاشي الذي عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أصحمة. Donc ce qu'on appelle النجاشي dans la langue arabe, c'est le nom que l'on donne aux rois qui ont vécu en Éthiopie, ce qu'on appelle en arabe الحبشة Ethiopia, l'Éthiopie actuelle. Tous les rois qui ont été les rois d'Éthiopie ont été appelés Najashi. Et le Najashi particulièrement dont on parle ici, qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'appelle Ashama. Il s'appelle Ashama, radiyallahu anhu. Il a cru au prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, amana bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé à l'islam et il lui a envoyé un livre par l'intermédiaire du compagnon Amr ibn Umayyah al-Damri radiyallahu anhu arsalahu wa ba'atha bihi ila al-Najashi wa ma'ahu kitaba arsalaha ilayhi hatta yad'uahu ila l'islam. Donc il a envoyé une lettre par l'intermédiaire de cet homme là afin de l'appeler à l'islam. فأسلم سنة ست على قول أكثر أهل العلم. Il s'est donc converti à l'islam 6 ans après l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la parole de la plupart des savants. ومات سنة تسع من الهجرة. Et il est mort en l'an 9 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي وصلى عليه صلاة الغائب صلاة الغائب صلى عليه الجنازة مع أنه كان في بلد آخر. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a informé ses compagnons de la mort du Najashi et il a accompli la prière mortuaire sur lui, qu'on appelle en arabe salat al-ghaib, c'est-à-dire la prière de l'absent. Cette prière, c'est celle qui est accomplie pour le musulman qui est dans un endroit autre que celui dans lequel se trouvent les gens qui prient pour lui. Donc le prophète alayhi salat wa salam a prié sur lui. وَقَدْ هَاجَرَ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الْإِسْلَامِ. Et les musulmans ont émigré vers le Najashi qui était alors chrétien. Wa kana nasraniyan. Falamma ta'adhaw min qibal Quraysh hajaru qabla an yuhajiru ila al-Madina ila al-Najashi. Les musulmans qui étaient persécutés à la Mecque ont émigré vers le Najashi en Éthiopie avant d'aller plus loin ou plus tard se rendre à la Mecque. Wa qad istaqbalahum wa akramahum. Il les a accueillis et honorés. ثم قبل دعوة المسلمين. Puis il a accepté l'appel des musulmans رضي الله عنه. هذا النجاشي أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. Ce نجاشي أصحمة كالله لغري a donné au prophète صلى الله عليه وسلم en cadeau خفين, c'est-à-dire deux خف, c'est-à-dire deux bottines ou bien les chaussures montantes qui recouvre tout le pied. كيف كان هذان الخفان؟ قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم
خفين أسودين ساذجين. Donc ici, on va nous décrire la couleur de ces chaussures montantes qui ont été offertes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. خفين أسودين. والأسود معروف. Donc elles étaient de couleur noire. قال ساذجين. ما معنى ساذجين؟ يعني خفين أسودين ليس فيهما لون غير السواد. ساذج يقال أسود ساذج يعني ليس فيه لون آخر. Donc on nous dit en employant le mot ساذجين qui veut dire noir, ici c'est traduit par simple, mais ce qui est voulu, c'est que ces chaussures qui ont été offertes au prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient d'un noir qui n'était pas mêlé à une autre couleur. Et ma kana fihima tazyin, il n'y avait pas de décoration, elles étaient simples, elles étaient tout simplement noires et en dilde, c'est-à-dire en cuir. Qala falabisahuma. فلبسهما مباشرة أخذهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبسهما على الفور. وفي هذا لطف النبي صلى الله عليه وسلم لمن يهدي له بهدية يريد أن يدخل في قلبه السرور فيقبل الهدية ويستعملها أمام المهدي مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم لبقتا أوسيتو. Dès qu'il a reçu ce cadeau, ces chaussures noires, il les a portées aussitôt. Et on voit à travers ce comportement la noblesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui veut faire plaisir à la personne qui lui offre un cadeau. Comment? Dès qu'il reçoit ce cadeau, il l'utilise devant cette personne qui lui a offert, à l'image d'une personne qui offrirait un qamis à un autre frère. Tasawwar, تعطي قميصا لأحد من إخوانك هدية. Tu lui offres un قميص. تريد أن يلبسه. وإذا رأيته يلبسه فرحت. Quand tu offres ce vêtement à ton frère ou à ta sœur et que tu le vois le porter, tu vas être heureux, tu vas être satisfait. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ce comportement-là. Quand on lui offre un cadeau, il l'utilise devant la personne qui lui a fait ce cadeau. فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. Il les porta, c'est-à-dire il les porta aussitôt, fit ses ablutions et passa alors les mains dessus. أي لَبِسَهُمَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم وهو على وضوء ثم عندما انتقض وضوء أعاد الوضوء بدون أن ينزعهما لأنه من السنة مسح الخفين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté immédiatement ses chaussures noires. Ensuite, il a fait ses ablutions. C'est-à-dire qu'il a porté ses chaussures noires pendant qu'il avait ses ablutions. Puis quand il les a perdues, ou bien quand il a eu besoin de refaire ses ablutions, il ne les a pas retirées, mais il a simplement fait ce qu'on appelle masah ala al-khuffayn, c'est-à-dire qu'il a essuyé. Il a passé ses doigts mouillés au-dessus de ses pieds. Et al-masah ala al-khuffayn est une sunna. Le fait de passer les doigts mouillés sur le dessus du pied, non pas le dessous comme le font certaines personnes, à condition que tu aies entré ton pied, que tu aies entré tes pieds dans cette chaussette. Donc ici c'est le khuff, mais ça peut être aussi les chaussettes. En ayant les ablutions, il fera alors partie de la sunna quand tu recommenceras tes ablutions de ne pas enlever tes chaussettes, mais de passer tes doigts mouillés sur le haut du pied et non pas sur le plat du pied comme le font beaucoup de gens. Et on tire cela de ce hadith et d'autres hadiths aussi. Donc ما يتعلق بلون خفي النبي صلى الله عليه وسلم رأينا. Nous avons vu ce qui est en relation avec la couleur des khufs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith al-thani, le deuxième hadith, an Abi Ishaq, an al-Sha'bi, qala al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu,
أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. ودحية هو دحية الكلبي، صحابي جليل كان من أجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل عليه السلام إذا نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سورة بشر تمثل في سورة دحية رضي الله عنه. هذا الصحابي كذلك أهدى له هدية وهي خفان فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك بيان أنه كان يلبس الخفين عليه الصلاة والسلام. Deuxième hadith qui est rapporté par Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu. Il nous dit que Dihya a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam une paire de chaussures montantes qu'il porta aussitôt. Qu'est-ce que l'on comprend de ce hadith? Premièrement, Dihya al-Kalbi. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des plus beaux compagnons du prophète alayhi salat wa salam. C'est la raison pour laquelle Jibril alayhi salam, lorsqu'il descendait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenait la forme de cet homme, Dihya. À un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ara'aytum Dihya kana yaqsidu Jibril. Il disait, avez-vous vu Dihya passer? Et si on lui disait oui, je l'ai vu passer à tel endroit, il savait que Jibril était dans les parages, car il prenait la forme de Dihya radiyallahu anhu. Cet homme a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam une paire de khouf qu'il a porté aussitôt alayhi salatu wa sallam. Et dans ce hadith, nous apprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait al-khouf. Et dans le premier hadith, que al-khouf que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était noir et simple. Donc voici ce qui est en relation avec les chaussures montantes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait. Quant au hadith qui est cité ensuite, il a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Al-bab al-ashir wa huwa babu ma ja'a fi na'li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le dixième chapitre, c'est le chapitre concernant les sandales du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce chapitre a été cité par l'auteur Zakara hadha al-bab al-mu'allif rahimahullah li bayan ma yata'allaqu bi na'l an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa an hadha al-amr wasi' kadhalik fala yasih an yuqal min as-sunnati an talbas an-na'l al-fulani alladhi 'ala hay'ati kadha wa kadha bal al-amr wasi'. Donc ici l'auteur du livre a cité ce chapitre afin de nous parler des sandales que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce qui est dit dans les sandales, c'est la même chose qui est dit dans les vêtements. C'est-à-dire que c'est une question qui est vaste. On ne doit donc pas dire « il fait partie de la sunna de porter telle et telle sandale ». Il fait partie de la sunna de porter des sandales qui sont de telle et telle forme. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait les sandales qui vont nous être décrits dans ces hadiths, car les gens portaient ces sandales-là dans leurs époques. Et le Cheikh Abdel Razak al-Abbad hafidhahullah dit que à chaque endroit nous trouvons des sandales différentes qui varient en fonction de la coutume de l'endroit dans lequel les gens se trouvent. Il y a des sandales que certaines personnes supportent, elles peuvent les porter, d'autres personne ne les supporte pas, car elles leur feront mal au plat du pied ou au pied. Mais ce qui est voulu ici, c'est simplement de montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait les sandales et de montrer également comment elles étaient alayhi salatu wa salam. Donc le prophète alayhi salatu wa salam n'aimait pas se différencier des gens. Il ne portait pas des sandales différentes des gens de son époque alayhi salatu wassalam. On a appris dans les hadiths précédents qu'il nous a même interdit de porter un vêtement qui s'appelle libas shuhra,
le vêtement de la célébrité, entre guillemets. C'est le vêtement avec lequel la personne va attirer le regard des autres. À un point, on va la montrer du doigt. Ici, on parle d'une personne qui se trouve dans un peuple, dans un pays, parmi les pays musulmans, où les gens ont l'habitude de porter un vêtement qui n'est pas contradictoire aux règles religieuses. À ce moment-là, la personne qui vit avec ces gens-là doit ressembler à ces gens et ne pas les contredire de sorte à ce que les gens la remarquent quand elle arrive. Mais la personne qui est en visite, comme la personne qui voyage dans un autre pays, cette personne-là n'est pas concernée, comme l'a dit le Cheikh Abdelrazzaq, hafidhahullah. Car la personne qui est en visite, les gens qui la reçoivent savent qu'elle ne vient pas de cet endroit et qu'elle ne vit pas avec. Elles savent que cette personne vient d'un endroit où les coutumes sont différentes. Alors elle ne sera pas blâmable. Mais dans le cas où le musulman vit avec des autres musulmans, il se doit de ne pas trop se différencier d'eux, sauf dans le cas où les vêtements qu'il porte sont contraires à la religion, aux règles d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le premier hadith de ce chapitre, al-bab al-awwal, al-hadith al-awwal, عن قتادة رحمه الله. قتادة هو تلميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنهما. قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنهم عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. Le premier hadith nous est rapporté par Qatada. Qatada est un grand imam de l'islam, un grand savant du tafsir, l'imam de Abdullah ibn Abbas, un tabi'i, qui a vécu avec des compagnons et qui n'a pas pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que qu'il a demandé à Anas ibn Malik, Anas ibn Malik, khadim Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, est le servant du prophète alayhi salatu wa sallam. Pendant 10 ans, il a donc pu voir beaucoup de choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que vous remarquez et que vous remarquerez que beaucoup de hadiths concernant les choses qui étaient en la possession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien concernant la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont rapportés par Anas ibn Malik, car il l'a vu de près et a vécu avec lui pendant 10 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Qatada a demandé à Anas comment étaient les sandales du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici Qatada, qui veut s'enrichir dans les connaissances de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherche à savoir comment étaient les sandales qu'il portait. Anas ibn Malik lui donne une réponse. Il lui dit « Lahuma qibalan ». Les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient deux de ce qu'on appelle « qibal ». « Qibalan »« Muthanna »« Qibal ». Donc ils avaient deux « qibal ».« Wal qibal huwa zimam al-na'l »« Wa yuqalu anhu al-shis'a »« Wa yuqalu anhu » هو الذي يدخل بين الأصبعين أصبعي القدم. Donc ils avaient deux qibal. Al-qibal, ce qu'on appelle en arabe qibal, qui a été ici traduit par deux attaches au devant, cette traduction n'est pas suffisante. Al-qibal, c'est le nom que l'on donne à la partie de la claquette qui est comme une ficelle qui entre les doigts. On appelle aussi en arabe al-shis'il. C'est ce qui rentre entre les doigts. Vous connaissez tous la tombe, la claquette, la tombe. Vous connaissez tous ça? Le fil qui vient rentrer entre les doigts du pied, ce qu'on appelle en arabe al-qibal. Donc ici, on voit que dans les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux qibal. Il y avait deux choses ou deux fils qui entraient entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, on ne dit pas qu'il fait partie de la sunna de porter des sandales qui en ont deux.
Ici, on cherche juste à apprendre comment étaient les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu en portes deux, tant mieux. Si tu en portes une, tant mieux. Si tu en portes trois, tant mieux. Al-amru wasi'. L'affaire est vaste dans cette question. Alhamdulillah. طيب الحديث الثاني لدزم حديث الشابيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. Donc on va avoir une autre information ici dans ce deuxième hadith qui est rapporté par Ibn Abbas رضي الله عنهما. Il nous dit que les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient, ici on nous dit deux attaches au devant, mais on vient de voir exactement qu'est-ce que c'est al-qibal. Il nous dit toutes deux liées à la manière transversale, shirak, par deux courroies, shisan. Donc je suppose que la personne qui lit ce hadith ne va pas avoir une image claire ou correcte dans sa tête. Je parle ici de la traduction en français. Mais ce qui est voulu par ça, c'est que dans la claquette, dans la sandale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux qibales. Donc il y avait deux ficelles qui passaient entre les pieds. Et en même temps, il y avait deux shirak. Et le shirak, c'est ce qui, vous voyez dans la tombe, il y a ce qui passe entre les doigts de pied. Et ensuite, il y a ce qui vient du côté droit et du côté gauche. Et tout ça, bien sûr, sert à maintenir le pied dans la sandale. Quand tu rentres ton pied ou quand tu entres ton pied dans la sandale, il y a le qibal qui vient se mettre ici. Le prophète en avait deux, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a le shirak qui vient sur la gauche du pied et sur la droite du pied. Et il y en avait deux sur les claquettes du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa lillahi alhamd. Le hadith suivant, hadith Isa ibn Tahman, qala akhraja ilayna Anas ibn Malik na'layn jardawayn lahuma qibalan. Donc ici Isa ibn Tahman rahimahullah nous dit: Anas ibn Malik radiyallahu anhu sortit à notre intention une paire de sandales en peau sans poil avec deux attaches au devant. Donc on a vu ce qui est visé par les deux attaches. Ici, cet homme nous rapporte une chose d'Anas ibn Malik, c'est-à-dire qu'il avait en sa possession une paire de sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fakana yahtafidhu رضي الله عنه على نعلي من نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il gardait avec lui une paire de sandales du prophète صلى الله عليه وسلم. Ces sandales ont été décrites par ce qu'on appelle en arabe جردوين. جردوين بمعنى ليس فيهما شعر. Donc ici le mot جردوين veut nous dire que ces sandales n'avaient pas de poils, car les sandales que portaient les gens de l'époque étaient faites à partir de la peau de l'animal, comme la peau de la vache. Cette peau était tannée. Il tannait la peau, il l'aplatissait de manière à la rendre dure afin de s'en servir pour en faire des semelles et des sandales. Ici, les sandales qui ont été portées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a gardé Anas ibn Malik, ont été décrites comme étant jardawain, c'est-à-dire elles étaient avec une peau sans poils, car certaines parmi les claquettes ont des poils, les poils de la peau de l'animal. Mais ici, les claquettes qu'il portait n'avaient pas ces poils sallallahu alayhi wa sallam, et elles avaient les deux attaches qui ont été citées dans le hadith précédent, al-qibalan. On comprend de ça que certains des sahaba radiyallahu anhum gardaient des objets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il convient de faire une parenthèse très importante. Hunak waqfa aw huna waqfa wa hiya anna sahaba radiyallahu anhum
كانوا يحتفظون على بعض أشياء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليتبركوا بها. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam gardaient en leur possession des choses qui appartenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Pour quelle raison? Car ils en prenaient de la baraka. Et c'est une chose propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان مباركا في جسمه في شعره في ثيابه. Le prophète عليه الصلاة والسلام avait une baraka dans son corps, dans ses vêtements, dans ses poils, dans ses cheveux. À un point où quand des personnes étaient touchées par l'ayn, ils étaient malades à cause de l'ayn, du mauvais œil, ils allaient voir Umm Salama, zawjat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la femme du prophète Muhammad alayhi salat wa salam. Pourquoi? Car elle avait en sa possession des cheveux du prophète alayhi salat wa salam. كانت عندها شعر من شعور النبي عليه الصلاة والسلام والمصاب بالعين كان يأتيها فتأخذ هذا الشعر وتدخله في الماء ثم تأمره بشربه فيشرب فيشفيه الله تبارك وتعالى. هذا لا يجوز مع غير النبي صلى الله عليه وسلم وهو شرك بالله. Donc ils allaient voir Umm Salama رضي الله عنها avec une personne qui était touchée par le mauvais œil, qui avait un problème physique dans son corps. Umm Salama radiallahu anha sortait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle avait gardé, les trempait dans de l'eau, puis demandait à cette personne malade de boire cette eau, et Allah lui accordait la guérison. Mais cette chose-là n'est permise qu'avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui recherche la baraka assure une personne autre que le prophète Muhammad alayhi wa sallam aura commis l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. طيب هل الى يومنا هذا يجوز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، لكن عندنا اشكال نحتاج الى دليل حتى يثبت ان هذا الامر مثلا من الثياب والنعال أو الشعر كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يتبرك بشيء ليس عنده يقين أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. Est-il permis jusqu'à nos jours de chercher de la baraka, de la bénédiction à travers les objets que possédait le prophète صلى الله عليه وسلم s'il en existe? La réponse est positive. Il est permis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cependant, il y a une question qui se pose. Y a-t-il une preuve concernant tout ce qui est prétendu, notamment dans le musée qui se trouve à Istanbul, où on prétend avoir des vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des cheveux, ou les sandales, ou bien la trace de son pied sur une pierre, et bien d'autres choses encore? Ce ne sont que des prétentions, mais on n'a aucune preuve. Et il est interdit aux musulmans de chercher la bénédiction dans une chose qui n'est pas au prophète alayhi salatu wassalam. Et il est interdit aux musulmans de chercher de la bénédiction dans une chose douteuse, dans laquelle il n'y a pas une preuve claire que cette chose appartient au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, vous comprenez qu'il est interdit de se rendre à cet endroit où les gens vont pour prendre de la baraka de ces choses-là. Car il se peut que ces choses n'appartenaient pas au prophète alayhi salatu wassalam. La personne aura alors commis du shirk wal iyadu billah. Donc il y a deux questions. La première, est-il permis de tirer la baraka de ce qui appartient au prophète alayhi salatu wassalam même aujourd'hui? La réponse est oui. La deuxième question, c'est qu'il nous faut absolument une preuve, et ce qui n'est pas le cas. الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله a fait une recherche concernant ces choses-là. Il en a conclu plusieurs points. Le premier, c'est que les choses qui étaient dans la possession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont perduré après lui sont très peu nombreuses. الأمور التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام وتركها بعد موته قليلة جدا.
Et la preuve en est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel un compagnon nous dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'a rien laissé. C'est-à-dire, il n'a presque rien laissé lui appartenant. Deuxièmement, al-Sheikh Abd al-Razzaq al-Abbad hafidhahullah dit, celui qui lit les livres d'histoire va s'apercevoir que quand il y a eu des conquêtes et des guerres, il y a eu beaucoup de destructions. Et dans ces destructions qu'il y a eu pendant ces guerres et ces attaques, beaucoup d'objets qui appartenaient au prophète alayhi salatu wassalam ont été détruits. Donc, de dire aujourd'hui qu'on a toutes ces choses-là et qu'elles appartiennent au prophète alayhi salatu wassalam, il nous faut absolument une preuve et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Taïr. On revient dans les hadiths. Bismillah ta'ala. قال فحدثني فحدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici nous sommes dans la suite du même hadith dans lequel Anas ibn Malik a sorti des sandales que le prophète alayhi salatu wasalam portait. Elles étaient faites en peau mais qui n'avaient pas de poids. Elles avaient deux qibales, deux attaches qui entre les doigts de pied, et Anas a dit que ces sandales appartenaient bien au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith al-thalith, le troisième hadith, ou le quatrième al-rabi', le quatrième hadith de ce chapitre, an Ubayd ibn Jurayh annahu qala ibn Umar radiyallahu anhuma رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. عباد بن جريح a demandé à Ibn Umar, Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, le fils d'Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma, qui était connu pour son suivi strict de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc été interrogé en ces termes: je remarque que tu portes les sandales en cuir. Les sandales ici sont appelées sibtiyya dans la langue arabe, et ce qui est voulu par ce nom sibtiyya, ce sont les sandales ou les claquettes que la personne porte qui n'ont pas de poils, de même que les sandales qui nous ont été décrites dans le hadith précédent. Fal murad bi sibtiyya nafs murad jardaway ay laysa laha sha'r, c'est-à-dire les sandales qui n'ont pas de poils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam yawman ra'a ahada min as-sahaba yamshi bayna al-qubur وَهُوَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّ فَقَالَ لَهُ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ إِنْزَعْهُمَا فَالْمَفْهُمَ لَهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَهَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était au cimetière. Il a vu un compagnon qui marchait entre les tombes, pas sur les tombes car c'est interdit. Il marchait entre les tombes et il portait ces claquettes là qu'on appelle les sibtiyya. Il lui dit: ô toi qui portes les deux sibtiyya, enlève-les car tu as nuit aux défunts qui sont enterrés. Donc ici, nous citons ce hadith pour montrer que les compagnons les portaient. Et en l'occurrence ici, Ibn Umar radiallahu anhuma, lorsque cet homme lui a dit: je t'ai vu porter ces sandales, il lui a dit: inni ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yalbasu al-ni'ala allati laysa fiha sha'r. J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porter les sandales dont la peau était dépourvue de poils, c'est-à-dire la peau tannée, une peau qui n'a pas de poils, et il faisait ses ablutions en les portant. C'est pourquoi j'aime les porter. Puis il dit wa yatawadda'u fiha, il faisait ses ablutions en les portant. Yahtamilu hadha ihtimalayn, il y a deux possibilités ou éventualités dans l'explication de ce bout du hadith qui est
que le prophète alayhi wassalam les portait quand il faisait ses ablutions. La première éventualité, al-ihtimal al-awwal, annahu kana yatawadda wa huwa wa rijluhu dakhil as-sibtiyya. C'est que le prophète alayhi wassalam faisait ses ablutions le pied dans la sandale. Donc il faisait passer l'eau, bien sûr sur tout le pied, mais sans retirer le pied de la sandale. La deuxième éventualité, al-ihtimal al-thani, annahu alayhi salatu wa salam, wa huwa alladhi dhakarahu al-imam an-Nawawi rahimahullah, annahu kana yanza' as-sibtiyya yatawadda thumma yudkhilu qadamahu fiha wa hiya ratba fiha al-ma. La yani yanshafuha alayhi salatu wa salam. La deuxième éventualité, c'est que le prophète alayhi salatu wa salam enlevait sa sandale, accomplissait ses ablutions et il remettait ses pieds pleins d'eau dans la sandale. C'est-à-dire qu'il mettait ses pieds mouillés dans la sandale et ne les essuyait pas. Quoi qu'il en soit, et c'est l'avis qui a été cité par l'imam al-Nawawi, mais quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait ses sandales. C'est la raison qui a poussé Ibn Umar à les porter. C'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi j'aime les porter. Le hadith suivant, al-hadith al-khamis, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان ونحن رأينا معنى القبالين rapporté par Abu Huraira qui nous dit la même chose que ce qui a été cité dans les hadiths précédents, à savoir que le prophète صلى الله عليه وسلم avait des sandales qui avaient deux attaches qui entrait entre les doigts de pied, comme on a cité. Al-Hadith, al-Sadis, le sixième hadith, عن عمر بن حريف. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. Donc, ici, on va voir une autre information concernant les sandales du prophète صلى الله عليه وسلم. نعلين مخصوفتين أي مخروزتين أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنعها والمراد بالمخصوفة هو ضم شيء إلى شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضم جزءا من نعاله إلى جزء آخر يعني يصنعها عليه الصلاة والسلام بيده. Donc, ce hadith qui nous est rapporté par Amr ibn Hurayf, il nous dit, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faire la prière en portant une paire de sandales à deux ou plusieurs semelles superposées et jointes par couture. Mais le terme cité en arabe, marsoufa. Marsoufa, c'est-à-dire makhrouza. Makhrouza, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait des sandales qui étaient faites à la main avec plusieurs semelles. Et dans d'autres hadiths, on nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour occupation journalière de faire lui-même ses sandales. كما بينت لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه أنه يصنع بيده نعاله فكان عليه الصلاة والسلام يعمل في هذا المجال. Le prophète alayhi salatu wa salam faisait de ses propres mains ses sandales. Il prenait plusieurs semelles de cuir et les posait les unes sur les autres. Ensuite, il prenait des ficelles et il les brodait entre guillemets. Il les faisait de sa main alayhi salatu wa salam. Il a donc été vu en train de porter ses sandales sallallahu alayhi wa sallam. Nous tirons une autre information de ce hadith. Qui est-ce qui va me la tirer? ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ كيف نتيرون كما فرماسيون؟ نعم؟ بارك الله فيك. أنه من السنة أن تصلي مع أو بنعليك عفوا. كيل في partie de la sunna de porter tes sandales quand tu pries. Comme le faisait le prophète عليه الصلاة والسلام. Les sandales, les chaussures, les claquettes, à بشرط لا يكون فيهما نجاسة, à condition qu'il n'y a pas
dans ces sandales ou claquettes que tu vas porter pendant ta prière d'impureté. D'impureté. Comme les excréments, al-ra'it, al-baoul, al-dam, le sang et d'autres choses encore. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sallu fi ni'alikum khaliful yahoud. A dit, priez dans vos sandales, contredisez les juifs. Pourquoi? Car les juifs enlevaient tout le temps leurs sandales pour faire leur prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yuhibbu an yadullana ala mukhalafati al-yahoud wa an-nasara. Il aimait nous encourager à ne pas ressembler aux juifs ou aux chrétiens dans les adorations. Et ici, il nous disait, priez dans vos sandales, ne soyez pas comme les, c'est-à-dire contredisez les juifs. À condition, bien sûr, où il n'y a pas d'impureté, car dans le hadith où Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, ils étaient en prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana imaman yalbisu an-na'layn wa as-sahaba ma'mumin yalbasun an-ni'al. Et les compagnons derrière priaient en portant aussi leurs sandales. Fajaahu Jibril akhbarahu anna fihi aw fihima najasa. فنزعهما النبي عليه الصلاة والسلام فنزعها الصحابة رضي الله عنهم. في هذا الحديث بيان أنه كان يصلي بها. Donc Jibril est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام en pleine prière pour l'informer qu'il y avait sur ses sandales une impureté. Le prophète les a enlevées, les compagnons qui l'ont vu faire les ont enlevées. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce hadith, mais parmi les enseignements, le fait qu'ils priaient avec leurs sandales dans la mosquée. Le problème, c'est que de nos jours, le sol est différent au sol dans lequel marchaient les sahaba, radiyallahu anhum. Fa fi hadhihi al-ard al-an najasat wa awsaq. Fala yasluh an yamshi al-insan thumma ya'ti bi na'layhi yusalli fi al-masjid biha fi hadha al-makan. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, il ne convient pas de le faire dans les endroits comme celui-ci. Donc le fait de marcher dehors et de salir ses claquettes, peut-être même avec des impuretés, et ensuite marcher sur la moquette. لكن إذا كنا في مكان الأرض طاهرة فلا بأس بذلك. Mais si on se trouve dans un endroit où la terre est pure, alors il n'y aura pas de mal à le faire. ولكن mais إذا كنا في مكان الناس لا يعرفون هذا فالأولى تركه. Mais si on se trouve dans un endroit où personne ne fait ça, puis voilà qu'une personne entre dans la mosquée avec des sandales pour prier et que ça va causer le regard de tout le monde qui va se diriger vers cette personne, alors il ne fait pas partie de la hikmah de le faire. وَنَحْنُ مَعَ إِبْرَاهِيمِ. Et avec Ibrahim, quand on était au Yémen, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, quand on priait dans la mosquée, tout le monde portait les sandales. Dans une mosquée avec de la moquette. Ashir yalbas al-ni'al. Ashir fi darsihi yalbas al-ni'al. Ala al-minbar yalbasuha. Wal-musallun kulluhum yalbasunaha. Lian al-ard kana tahira fi hadha al-makan, hadhihi al-buq'a. Donc, le shir venait dans son cours et parlait à ses élèves, comme aussi je vous parle, en portant ses chaussures et ses claquettes. Et tous les élèves portaient leurs sandales. Et bien sûr, ce n'était pas une chose étrange chez eux, car c'était une sunna et tous les gens qui étaient là étaient des étudiants. Donc on comprend que c'est une sunna de porter les sandales. Al-Hadith al-Sabi', le septième hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, يعني ينهانا عن المشي بنعل واحدة إما أن تلبسهما جميعا أو أن تنزعهما جميعا أما أن تمشي بنعل واحدة فهذا لا يجوز. Le prophète صلى الله عليه وسلم فهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. Nous a interdit de porter une seule sandale quand on marche. Dans ce hadith, il nous dit qu'aucun de vous ne marche avec un seul soulier. Portez les deux ensemble ou enlevez-les tous deux.
فلا تمشي بنعل واحد بنعلة واحدة، إما أن تمشي باثنين أو بدون، أما بواحدة فهذا لا يصلح. Le prophète nous a interdit. Il nous dit, soit on les porte, soit on ne les porte pas, mais on n'en porte pas une seule. Et nous allons voir la raison pour laquelle le prophète ﷺ nous a interdit de marcher avec une seule sandale. ولكن أسألكم، mais je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un a la réponse ? لماذا نهانا عن المشي بنعل واحدة؟ Pourquoi il nous a interdit de marcher avec une seule sandale ? لأن الشيطان يمشي بنعل واحدة. Car le diable marche avec une seule sandale. وهناك حكمة ثانية. Et il y a une deuxième sagesse. تفضل. جزاك الله خيرا أصبت وأحسنت. La deuxième sagesse pour laquelle on nous a interdit de porter une seule sandale, c'est la justice. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Tuhfat Al-Wadud fi Ahkam Al-Mawlou, dans son livre concernant les préceptes à avoir avec le nouveau-né, qui est traduit en français, il nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné d'être juste. أمرنا الله تعالى بالعدل حتى في بدننا. Même dans notre corps. Et il va nous citer des exemples. Il nous dit فنهانا عن أن يحلق الرجل جزءا من شعره ويبقي الجزء الآخر وهو ما يسمى بالقزع. لماذا؟ لأنه ظلم في الرأس. قال فنهانا عن الجلوس في يعني بين الظل والشمس، يعني جزء من البدن في الشمس والجزء الآخر في الظل، لأن هذا ظلم في الجزء الذي يكون فيه شمس. قال ونهانا عليه الصلاة والسلام عن المشي في نعل واحدة. Il nous dit que le prophète عليه الصلاة والسلام nous a ordonné la justice même avec des choses telles que, premièrement, il nous a interdit de se raser une partie des cheveux et de laisser pousser une autre, ce qu'on appelle ici le dégradé, que font beaucoup des jeunes malheureusement, mais c'est interdit de se raser une partie et de laisser pousser l'autre. C'est interdit par Allah. Le prophète ﷺ a vu un jeune qui avait cette coupe, il a dit qui lui a fait ça. Ensuite il a dit à ses parents de lui couper tout et de ne pas de lui couper tout ou bien de tout lui laisser pousser. Deuxième exemple qu'il a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de s'asseoir entre l'ombre et le soleil. C'est-à-dire que quand la personne s'assoit, le soleil frappe sur une partie de son corps, la moitié, et sur l'autre moitié, elle est à l'ombre. Pourquoi ? Car c'est une injustice envers le corps. Et il faut être juste dans ça. Troisième exemple qu'il a cité, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, c'est ce qui nous est cité dans ce hadith. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de porter une seule sandale pour être juste avec le corps. Car si la personne marche sur un sol qui est dur et qui est rêche, le pied qui va être dans la sandale sera à l'abri du mal et l'autre ne le sera pas. C'est une injustice envers ce pied. Subhanallah, ici on voit la perfection de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans les sandales, même dans les cheveux. سبحان الله ولله الحمد. طيب الحديث التالي الحديث suivant عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. Ce hadith est rapporté par جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Dans celui-ci, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de manger avec la main gauche et il nous a aussi interdit de marcher avec une seule sandale. Taïb, Sunal, une question se pose. On voit des fois certaines personnes qui portent une sandale et l'autre sandale est dans un endroit un peu éloigné. Et donc il lui faut pour ça marcher pour aller chercher la deuxième sandale. Mais en même temps, cette personne va marcher avec un pied dans une sandale
est-ce que c'est bon de faire ça ou non? Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, a été interrogé un jour par une personne qui lui a dit, oh Sheikh, il est interdit de porter une seule sandale. Mais si je le fais que pour faire quelques pas. قال رجل للشيخ ابن باز رحمه الله يا شيخ إذا لبست نعل واحدة أمشي بها خطوات يسيرة حتى ألبس الثانية. قال له إن استطعت أن لا تخالف السنة حتى في خطوة أو خطوتين فافعل. سبحان الله. الشيخ ابن باز رحمه الله a dit, si tu peux ne pas contredire dans la sunna ne serait-ce que dans un pas ou dans deux pas, alors fais-le. Allahu Akbar. Yani même dans un pas ou deux pas, ne le fais pas. Car le prophète a.s. t'a interdit de porter une seule sandale. Et aussi, on voit une transformation, le fait de manger avec la main gauche, qui n'est pas une bonne chose. Et donc, il convient aux musulmans de manger avec la main droite. Al-Hadith al-Tali, le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن أولهما تنعل وآخرهما تنزع. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque l'un d'entre vous porte ses sandales, qu'il commence par la droite. يعني la perfection de la religion d'Allah Azza wa Jal, qui nous enseigne de ne pas porter une seule sandale, nous enseigne aussi, quand on les porte, de commencer par la sandale droite. كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ مِنَ الْأُمُورِ الْكَرِيمَ. Le prophète A.S. aimait commencer par la droite dans toutes les choses pures et bonnes qu'il faisait A.S. Et ici, quand il mettait ses sandales, il commençait par la droite. Donc quand tu vas sortir après le daf de la mosquée, inshallah, tu vas commencer par la main droite et tu vas, en faisant ça, mettre en pratique la sunna du prophète alayhi salat wa salam. أحيانا الإنسان يسمع حديثا يظنه هينا لينا. يعني يرى أن من السنة البداء باليمين في الانتعال. فيسمع الحديث ثم يخرج وإذا به ينتعل بالشمال. بدءاً من الشمال هذه خسارة لا تحقر من المعروف شيئاً كما قال عليه الصلاة والسلام ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ابتسامة. Certaines personnes des fois entendent des hadiths et ne les prennent pas ou ne leur portent pas la grande considération qu'il se doit de porter au hadith. Ils vont donc entendre qu'il fait partie de la sunnah de commencer par la droite quand on porte les sandales. Puis quand ils vont sortir de la mosquée, ils vont commencer par le pied gauche. Ils sont donc venus simplement pour passer le temps. Là, wallah, si tu sors de ce daf et tu portes à partir de maintenant tes sandales en commençant par le pied droit, wallahi tawfiq min Allah. Ça sera pour toi une grande assistance qu'Allah t'a accordée afin de suivre la sunna. Car c'est une sunna. وإذا قيل السنة قيل هذا الأمر يحبه الرسول وإذا قيل هذا الأمر يحبه الرسول قيل هذا يحبه الله وإذا قيل وإذا كان الأمر كذلك كان هذا الانتعال باليمين من أسباب محبة الله لعبده. سبحان الله. انظر إلى سهولة الدين. Regardez la facilité de la religion d'Allah. Qui dit cela fait partie de la sunna dit que cela fait partie de ce que le prophète aime, ce qui veut dire qu'Allah aime ça, ce qui veut dire que quand tu portes tes sandales, tes chaussures, en commençant par le pied droit, tu fais une chose qu'Allah aime, et c'est une cause pour qu'Allah t'aime. Subhanallah, mettre une sandale par le pied droit, c'est une cause pour qu'Allah t'aime. Al-jawabu na'am, la réponse est positive. Fala taghfal an hadha waffaqaka Allah. Ne sois donc pas insouciant à cela. Donc il dit que le prophète al-sallam, que la première sandale qui soit portée soit la droite et que la dernière qui soit enlevée soit la droite. Donc quand tu enlèves tes chaussures, tu commences par la gauche et quand tu les portes, tu commences par la droite. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on a vu fi bab al-kuhl dans le chapitre concernant al-kuhl, qui est le produit que l'on met, la poudre que l'on met dans les yeux, que les ulama ont dit qu'il y a deux manières de le faire.
Ils ont dit, tu commences par la droite et tu termines par la droite. Vous vous en souvenez? 5 fois en faisant 1, 2, et en faisant 3 fois la droite et 2 fois la gauche. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai fait 3 fois à droite et 2 fois à gauche. Qu'est-ce qu'on voit? On remarque qu'on a commencé par la droite et qu'on a terminé par la droite. Et il y a dedans l'honneur que qu'a la droite chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadith al-tali, le hadith suivant, wa huwa akhiru hadith al-bab, c'est le dernier hadith authentique de ce chapitre. An Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu at-tayammum mastata' fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite tant qu'il le pouvait, que ce soit dans la coiffure. Et vous vous rappelez dans le chapitre concernant Tarajjul, le chapitre concernant la coiffure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu comment il se coiffait. Kana yabda'u bil yamin hatta fi tarajjul. Il commençait par le côté droit de ses cheveux même quand il se coiffait, alayhi salatu wa salam, quand il portait ses sandales et dans sa pureté, dans ses ablutions, sallallahu alayhi wa sallam. Hada ma yata'allaqu bi khuffi wa ni'ali rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu hada wa astaghfirullaha tabaraka wa ta'ala wa atubu ilayhi wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه